Allez, deuxième séquence de la journée. On commence par un petit travail pour les cuisses en squat. On va chercher à bien redescendre. Voilà, on descend. Hop là. Allez, on vous met à 90 degrés. Attention les genoux, ne pas dépasser la pointe des pieds, très mauvais. On cherche comme si on se mettait assis. On peut s'aider des bras pour avoir un petit peu d'équilibre. Clac. Alors, on peut descendre jusqu'en bas pour les, ceux qui se sentent un peu plus à l'aise, mais sinon, le demi-squat est déjà très très bien. On ne va pas solliciter de trop les genoux. Super. Allez, encore 3. Voilà, je redescends bien, je reste le buste bien droit, toujours en respirant. Le dernier, hop, et je remonte. Petit travail d'oblique, alors latéral. Allez, on reste en isométrie aujourd'hui, on tient. Alors si c'est trop compliqué, pas de souci, vous restez sur un genou, vous allez toujours travailler les obliques. Voilà, on le tient bien, sur le coude, bien aligné. On peut mettre le bras en l'air si on veut tenir un tout petit peu plus de l'équilibre. Hop, on pivote la face B, forcément. Allez, j'y vais, jambes tendues, clac. Voilà, je suis en place. Le corps est bien aligné, la main en l'air. Super. Je tiens, allez. Parfait. Je reste sur mon tapis, au sol allongé, sur les coudes. Jambes tendues, battements haut et bas. Là, on travaille en excentrique sur les abdominaux. Plus les jambes sont à ras du sol, plus ça tire. Si ça fait trop mal, ok, vous remontez un petit peu. Sinon, vous gérez. Voilà. Travail en excentrique. Super. Hop. Travail de triceps. Alors, vous allez rester jambes fléchies, les mains posées derrière. Je lève les fesses et je vais redescendre. Et là, je vais solliciter principalement mes triceps. Voilà, je descends, voilà, j'ai les fesses qui peuvent retoucher le sol. Hop, et je pousse. Et vous allez voir qu'au bout de la cinquième, vous allez sentir ce travail de triceps. Allez, encore 3, 2, 1. Super. On se relève. Dernier exercice un peu plus en cardio, travail de lever de genoux sur place. Alors servez-vous toujours des mains, c'est important, d'accord? Coordonnée, main droite, genou gauche, main gauche, genou droite. Voilà, on active un tout petit peu tout ça. 3, 2, 1, et time. Bien, terminé pour la deuxième séquence.